But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi 21, il me semble. Je pense que vous allez avoir une vidéo par jour. Je suis en vacances à Narbonne avec Pierre, mon copain, deux de ses frères et sa nièce. Donc voilà, je vous en ai avec nous tous les jours pour les vacances. C'est cool, on vient d'arriver il y a quoi, il y a 10 minutes. Donc on a fait le tour de la maison. On l'a loué sur Airbnb. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai un petit tour pour vous montrer. C'est sympa, franchement c'est sympa, c'est à Narbonne. Et puis en plus on n'a pas payé cher. Donc je vous ferai le tour après. Le petit house tour. Donc là il y a la porte d'entrée. Enfin la porte du jardin par où on entre. Et après ça fait un petit jardin comme ça. C'est vraiment trop mignon avec la petite maison. Un petit coin d'ombre. On a une table pour manger dehors. J'ai vu qu'il y avait un parasol de l'autre côté. On va pouvoir aller chercher. Un étendoir, ça c'est bien pour le linge. Là, il y a un petit morceau comme ça, je sais pas ce que c'est. Bon, il n'y a rien de spécial. Et de l'autre côté, hop, voilà, comme je vous dis, il y a le parasol au bout et puis un petit barbecue. Voilà, donc ça c'est pour l'extérieur. C'est bien mimi, franchement, c'est super mignon. Ensuite, quand on rentre, donc il y a la porte d'entrée qui est là, mais là on va passer par la porte de la cuisine. On rentre par là et là vous avez la cuisine, petite cuisine mais bien mignonne, bien équipée, un lave-vaisselle, un four, vous avez deux cafetières, une bouillotte là, une bouilloire, une bouillotte, un frigo et puis bon, tout ce qui est placard et tout. Et là vous avez la petite table pour manger. Et ensuite là du coup vous avez le salon avec le canapé et la télé. Et là vous avez un couloir avec deux chambres et en plus il y a la clim partout, donc ça c'est top. Donc une première chambre avec, bon les murs sont un peu blancs hein, mais en soi on s'en fiche. Première chambre avec une salle de bain comme ça, c'est mignon. Voilà, celle-ci apparemment c'est la nôtre, c'est Pierre qui a choisi. Et là la deuxième chambre qui est aussi grande, qui est bien mimi, avec une autre salle de bain avec une grande douche. Ça c'est vraiment top. Voilà, je vous montre avant que ça soit le dawa hein, parce que là on n'a pas encore déballé la voiture. Et là un toilette avec une machine à laver, tout nécessaire pour faire le ménage et tout. Donc c'est cool, franchement notre petite maison est bien mignonne. Bon, du coup, on est en train de s'installer. Enfin, je suis en train de m'installer parce que Pierre est très clairement sur le canapé avec son frère en train d'apprendre à faire des nœuds. Donc, j'ai mis les chaussures là. J'ai une autre paire là, je vais les mettre là. Puis là, j'ai mis la valise. Je suis en train de mettre nos produits ici et dans la douche, voilà, pendant que d'autres s'amusent à faire des nœuds. Je vous montre ça. Ah mais là, du coup à chaque fois il me faut un truc quoi. Comme ça tu vois, il faut que ça je l'accroche quelque part. Ou sinon, faut que je l'imagine dans ma tête, je suis pas obligé de le faire. Oui, ouais mais bon, c'est mieux, mais sinon tu fais ton tâche. Ah oui, bon, ouais. Non mais la boucle elle va être plus grosse. C'est pas grave. Je t'en fous, tu peux le faire. Okay. Magnifique. C'est bien, ça faut que je le drille. Voilà, là déjà on a fait une petite liste et jambon, je sais pas si on va en prendre parce que vous allez en manger dans la salade, on n'en prend pas trop du jambon. Tu mets pas de jambon dans la salade, le jambon tu manges seul. Ouais. Chouple. Prends-toi le jambon. Chouple. Ouais. Tu peux shooter. Je fais comment mon gars. Je fais comment pour avancer? Ah oui, comme ça. On va passer. Brian?
Regarde, moi. Coucou. Chat. Et est-ce qu'on ferait pas comme dans Paranormal Activity? Ouais. Tu sais, on filme tous nos trucs et là on commence à voir des fantômes. J'ai vu que t'avais dit autre chose. Bon, bah c'est bon, on peut y aller. Tu m'écris tu l'eau? Comment? Sinon, un jour tu te réveilleras avec une corne de licorne sur ton front. Alors, les gars. Je te jure que ça va être sur YouTube. Hein. Non, ah bah, mais si. Pas ça, en plus j'ai une sale gueule. Bah t'as mes lunettes, ça cache. Ouais, mais quand même. Alors là, c'est Paranormal Activity aujourd'hui. C'est la guerre des fantômes marins. Super. Waouh. Mais ils vont avoir le mal de mer si tu tournes comme ça. Hein. Ouais, c'est le but, on va pas le mettre. Enfants, hein. Il n'y a pas de sac ? Nous avons amené deux enfants. Voilà, j'ai plus Aaron et Owen, mais j'en récupère deux autres. On fait les courses, on fait la cuisine. Moi, j'ai 26. Quel âge ? 26. Oh punaise. Des enfants. Quand je vous dis que c'est des enfants, c'est des enfants. Nous sommes toujours en train de faire les courses, ça met grave du temps. Entre les deux enfants qui font n'importe quoi et le fait qu'on cherche bah, les choses, on ne connaît pas trop, on est au Lidl, il manque des choses, enfin genre il n'y a pas beaucoup de fruits et tout, donc bon c'est pas grave, de toute façon il y a un géant casino pas très loin, donc au pire on ira chercher quelques trucs s'il nous manque d'ici quelques jours, c'est pas bien grave. Je suis en train de chercher un bac à glaçons mais je ne trouve pas. Ça m'énerve. Mon doudou et il veut pas me dire où il est, où c'est ça, Delbo Bourriquet, je connais pas de Bourriquet, mais il est dehors, non. Il est dans la maison, non, peut-être ça, j'ai fouillé toute la maison, bah pas visiblement, pas assez bien, donc il est dans la maison, bah peut-être pas. Si, si. C'est-à-dire qu'il est dans la maison. Bah, dehors, ça fait partie de la maison. Si je vais dehors et qu'il n'y est pas, je vais gagner ta voiture. D'accord. Ouais. Donc, je vais voir dehors. On va passer sans faire rien. Je suis en menu. Je fais un barbecue et un apéro en pleine mer. Je suis énervée. Il me l'a mis où, ce trou du cul? Il n'est pas dans les... fait exprès. Il est dans la maison, je suis sûre. Je suis tiquée. Je sais pas où il était, mais il me l'a redonné. Je suis sûre qu'il va me le recacher. Je vais le mettre là, dans mon lit. Bon, je sais pas quelle heure il est. Il est 17h. On va peut-être aller à la plage. On sait pas encore. On est en train de regarder ce qu'il y a dans le coin. Niveau activité qu'on peut faire. Vous allez voir Jade se casser la marboulette tout en plein. Cette vidéo. Elle est marée basse.
Et ils en ont rien à foutre de moi, hein. Ils partent sans moi en plus. Hein. Non mais. À quel moment mon mec va se retourner pour dire bah elle ne me suit pas? Ah! Ah! Il a regardé. Il s'est foutu la palme dans la tronche. Son frère est mort. Ouais, il est bien. C'est dans la merde. Je vous ai pas pris depuis la plage. On était à la mer, vous avez fait 2-3 plans. Après il y a eu une galère, donc bref, on est rentré, j'ai pris ma douche. On va prendre l'apéro et je sais pas ce qu'on va faire après. Je sais pas si on sort ou si on va rester tranquillou à la maison ce soir. Voilà, de toute façon, si on sort, je vous emmènerai avec moi. Et puis bon, là je vais vous emmener avec moi quand même le reste de la soirée. Non, c'est pas vrai. Elle est tombée la chips là ? Parce qu'il en reste une. C'est à toi. On a fini de manger cette petite salade. Franchement, elle était très bonne. C'est Florian, le frère de Pierre, qui l'a fait. Avec son autre frère, Ryan. Elle était très très bonne. Là, ils sont en train de. La petite jadounette. Qui me jade, c'est la nièce de Pierre. Qui vient d'ajouter sur Snap. Bref, je disais, du coup, là, on a fini de manger. Ils sont en train de faire un jeu de société. Je sais plus c'est lequel. Et après, on va aller faire dodo. On va pas sortir ce soir parce que on est fatigué. On s'est réveillé super tôt ce matin pour partir. Et on n'a pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir une heure ou deux la nuit d'avant. Donc, on va aller faire dodo. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Une bonne journée. Pour ceux qui regardent le vlog de le matin, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, si tout va bien, à demain pour une prochaine vidéo.